Allez, les poteaux, on est vraiment refait, on a tout pour nous. On a deux petites bécanes de... De quoi? De chez Honda. De chez Honda, oui, bien sûr. Et un grand, grand, grand merci à Antoine. Voilà, il nous a bien laissé le temps de faire tout ce qu'on a à faire pour vous présenter ce test. Oui, oui, ah oui, on a eu le temps de faire des prises de vue de la bécane, ah ben, des deux bécanes. Le duel du Far West va... On a galéré une demi-heure à vous faire ces plans, alors ça a intérêt à vous plaire. Hein. En tout cas, sur la dernière vidéo pour le CB650, je vais remercier tous ceux qui ont partagé et qui ont surtout commenté. Et en plus, c'est que du positif. Moi, je ne pense pas m'avancer en disant que cette sortie de la CB650R 2019, pour moi, ça va être la moto de l'année. Alors là, on va passer à un endroit que vous avez maintenant l'habitude, parce que quand je pars du côté du petit coin, on passe tout le temps devant cette fameuse et bonne vieille demeure du chaos. Rappelez-vous. C'était la petite minute de silence, souvenir à la Duchesse qui nous a quittés. Et là, tu mets une musique d'enterrement. Je vais mettre des violons. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo sur la demeure du chaos, c'est ici qu'on est venu filmer. Et je vous invite à regarder la vidéo parce que c'est une des meilleures de notre chaîne, à mon avis. Ah ou oui. En tout cas, une des plus travaillées. Tout à fait, mon cher Crête. Si vous venez faire un essai chez Honda Motolyon, vous êtes pas loin de la demeure du chaos. Voilà. Voilà. Vous venez essayer la petite CB500 et vous venez visiter la demeure du chaos. Deux en un. Voilà. Merci qui? Merci Ruber et Crête. Ouais. Voilà. Ça veut dire que je veux tourner. Il faut quand s'habituer, Ruber tourne, hein. Il klaxonne. Maintenant, on va aller faire un petit peu de route. On traversera un peu la ville pour vous faire voir que, en fait, vous pouvez prendre un modèle sportif et évoluer tout tranquillement. Je suis parfaitement assis et c'est peut-être la moto où je suis le mieux au niveau de la position. Et peut-être qu'il va falloir que je revoie des choses parce que le Roadster, j'aime bien, mais là, je me rends compte qu'on est sur une autre moto. La version sport me va, mais vraiment parfaitement. Elle est vraiment très agréable et toujours très souple. Ah ouais, ça marche beaucoup mieux qu'un CB 2018. Ça garde du couple dans le régime, bas, moyen. On sent qu'il y a de la performance qu'il n'y avait pas avant sur le CB. Franchement, je pensais qu'on pourrait s'ennuyer sur la version 500, comme j'ai une 6,5. Eh bien, c'est pas le cas, les poteaux. Moi, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis étonné, j'en perds un peu mon latin, parce que à conduire, elle est exceptionnelle. Je suis en troisième, regarde comme ça, on voit, en troisième. Ah ouais, et elle est sécurisante, hein. Ah ben lui, il est carrément en couloir de bus. Ouais, c'est un bus, ça se voit pas. Ah mais c'est un bus, bah ben oui, l'AMT c'est un bus, c'est vrai. Si vous voulez, il va falloir qu'on insiste sur un point. C'est ce qu'on fait Honda en 2018, vous oubliez. Non, ça a de l'allure. Elles sont belles. Belles et puis putain, cette motorisation, comment elle est souple et même elle a du caractère en 500. Elle a quelque chose de plaisant, t'as envie de rouler avec. Et elle chantonne. Je te dis, t'enlèves un filet de gaz et t'as la marmite qui va qui te préparer bouillonne. Une cassoulet. C'est la pire métaphore que j'ai entendue pour une moto. Ah ouais, et puis regardez, un beau réservoir bien valorisant. Les consommations, elles sont... C'est des consommations Honda, c'est vraiment des moteurs qui... Je suis à 4 litres au 100, là. Ouais, voilà, c'est ça. L'amortissement est pas trop mal, hein, sur les pavés, là, on s'en sort bien. Ah ouais, franchement, ouais. Et ben, la suspension, elle a été revisitée, hein. Super bien, cette petite Honda. Hein. Aïe, 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 aïe.
Alors, bien sûr, j'ai dit les mêmes choses pour d'autres bécanes, mais parce que c'est la vérité, je vous dis ce que je ressens. Si c'était pas bien, je vous le dirais. C'est, ça m'énerve un peu, parce que tu vois, quand on va chez Honda, à chaque fois qu'on essaye n'importe quelle bécane, je vais être obligé de sortir la phrase fétiche, mais quand tu essayes une Honda, c'est que du bonheur. Ouais, que ce soit les automatiques de la dernière fois, la CB650... C'est un vrai plaisir aller sans crainte chez Honda, parce qu'il n'y a pas plus fiable qu'eux. Et en plus, ils jouent le jeu maintenant, ils vous font des bécanes avec des super gueules. Oui, ça c'est un truc qu'il faut préciser. Je sais pas quel pneu il y a sur la CBR, mais en tout cas sur la CBF, elle est équipée d'origine de Pilot Road 5. Qui sont quand même des pneus qui sont réputés pour être très bons, quoi. Ah bah ouais. Et puis alors regarde ça, hein. Là, si tu veux aller poser du genou, tu peux y aller, hein. Ah, ça, si je le vis, c'est aussi grâce à toute l'équipe Honda et à Antoine. N'ayez pas peur, allez-y, allez faire demander les essais. Ils sont là pour ça, les vendeurs. On voit chez Honda aujourd'hui, ils demandent que ça. Allez les voir, faites les essais, vous allez vous faire plaisir. Et une moto, c'est comme une paire de chaussures. Il faut l'essayer avant de l'acheter. Ah non, mais hey, elle marche bien, hein. Elle marche bien. T'as largement assez pour perdre ton permis. Hein. Allez, Crète, il va me passer, je vais vous allez le voir comme il est beau sur l'autoroute. Regardez ça, un vrai motard. Non, mais c'est très bien, ça monte dans les tours tranquillement, elle demande pas d'efforts, elle galère pas. Avec les pots d'origine, les deux petites flûtes là qui chantonnent. Ouais, il y a une très belle sonorité. Regarde ça, pépère, c'est royal, regarde, sixième. Ouais. Mais ça, de la reprise quand même, qui avait pas tout à fait en sixième avant sur le CBF. Ah, puis là, je m'en rends bien compte. On a le soleil dans le compteur et il reste quand même super visible, quoi. Comme ça, on aura fait un peu d'autoroute. J'espère que Crète pourra vous faire voir un peu sur l'autoroute comment elles évoluent. Elles sont pas ridicules, ces bécanes. Tu peux rouler, tu vois, surtout cette version là. On doit être mieux sur la CBR, du coup, avec la protection contre le vent. Mais ça envoie quand même très bien. Elle rechigne pas à monter dans les tours. Nous, on vous donne envie d'aller les essayer. Pourquoi ? Parce que il n'y a que par vous-même. Vous savez ce que vous avez besoin. Même si tu n'es pas un grand pilote, c'est en essayant que tu t'en rends compte ce que tu as besoin. Mais cette bécane, elle vaut vraiment le coup d'être essayée. Au Lyon. Ah, clignotant. Il a mis le clignotant en Crète. Je suis vraiment impressionné par ce moteur là, de la version 2019. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec... T'as vu, t'as exactement la même sensation. Il y a encore un an, tu sortais d'un auto-école, t'avais fait du A2, t'as acheté un 500 CB. Mais bon, t'étais content, mais c'était pas ouf. Là, ça commence à le devenir un petit peu, parce que tu sens que le moteur, il est joueur. Et c'est ce qui manquait à cette catégorie, qui est le 500, qui est quand même... Une putain de bonne catégorie moto. Là, pour faire tes classes, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah là là. Et puis, full LED. Voilà, bravo Honda, encore une fois. Elle a vraiment une face avant agressive. Ouais. Ils ont vraiment pris ça de la Fireblade. Puis alors, la boîte, t'as l'impression de... C'est comme dans un piano de concert. Parfait. C'est un piano bien accordé, quoi. Ah ouais, mais carrément, ouais. Tu le sens, la boîte, elle est réactive tout le temps. Et elle est d'une souplesse... Bah, tout est parfait, de l'accélération au freinage, elle a tout ce que je demande d'une moto. Elle fait bien le taf de partout, tu sais, l'embrayage, tout ça. Et pourtant, il n'y a pas une poignée réglable, c'est dommage. Mais là, c'est pas gênant parce que la plupart des motos qui n'ont pas de poignée d'embrayage réglable, souvent, elle est trop loin. Non, mais là, elle est bien placée, tu vois. C'est vrai que ça, c'est un truc que je comprends pas pourquoi ça y est pas sur toutes les motos, quoi, parce que... Je pense pas que ce soit quelque chose qui coûte excessivement cher. Mais bon, faire des économies sur une poignée d'embrayage, c'est quand même très moyen, quoi. Ouh, il va falloir que je fasse un stage Honda. Non, mais je vais aller péter la gueule au mec qui a concepté le clignotant. C'est un clignot klaxon. Sur l'option, sur cette bécane, c'est que quand tu mets le clignotant, tu klaxonnes en même temps, qui avertit les autres. Ce qui sécurise encore plus ton changement de direction. Et on se fait une dernière petite pointe, là. Allez.
Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les potos. Allez, ciao, ciao, ciao. Tiens, prends ça dans ta gueule. Eh non, 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 tu me la refais pas, ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ces bécanes. En tout cas, nous, on remercie Honda Moto Lyon et particulièrement Antoine qui nous a laissé ses motos pendant 3 bonnes heures. Et puis voilà. Allez, ciao.